J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je reprends mon Magical Dawn avec les plumes, puisque j'avais une plume que j'avais pas faite, je viens de la faire. Et je me suis dit que j'allais répondre au quiz de Zazufila le 8, en même temps que je fais la suite, comme ça vous pourrez voir un petit peu l'avancement. Du colo, je ne sais pas trop où ça va m'emmener, mais ben allons-y. Alors, je vais maintenant. Donc, j'ai pris du gesso. Je vais peut-être quand même faire le visage en premier. Peut-être mieux. Hein. Alors, on va aller faire ça. Alors, on commence par la première question. Aimez-vous personnel, la première question personnelle, aimez-vous colorier des mandalas? Alors, les mandalas, c'est pas mon truc. J'avais trouvé des mandalas de Coloring Book Café. Je les ai donnés. C'était des biens, c'était des mandalas basés sur la graisse. Et j'y suis pas arrivée, ça m'énerve, c'est tout le temps la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là, je vais vous rapprocher un peu. Voilà, c'est toujours la même chose et j'y arrive pas quoi, c'est pas, ça me plaît pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des choses qui sont magnifiques. Je pense à Suzy LR sur Insta, qui elle fait des trucs. Mais moi, j'y arrive pas. Dans le choix des couleurs, je trouve ça moche. Vous êtes tombé. Je disais, je trouve ça moche, je trouve ça oui, terne, sans aucun intérêt. Voilà. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt du tout. Donc j'en fais pas. Quel sera votre prochain achat colo? Mon prochain achat, c'est le livre. Je l'ai déjà acheté en même temps. Donc, ça ne doit pas répondre à la question. C'était le dernier livre de Rita Berman, qui est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu encore, je vous laisse aller voir la vidéo de Johanna. Prochain achat colo. Qu'est-ce qui me manquerait? Ouais, peut-être des pastels secs, un peu plus de pastels secs, parce que j'en ai pas beaucoup au niveau coloris, et je pense que ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Après, j'ai déjà beaucoup de choses, hein, donc. C'est un peu compliqué. Je reviendrai tout à l'heure à cette question, je pense. Argenté ou doré? Lequel préférez-vous? Le doré. Le doré, je trouve que ça se met bien dans les. Souvent dans les colos. Alors des fois, j'ai envie de mettre de l'argenté. Hein. J'ai fait un colo l'autre fois où j'ai mis de l'argenté. Mais décidément. Qu'est-ce que c'est, bazar? C'est que ça. Oui, argenté ou doré. Le plus souvent, c'est doré. Doré, doré. C'est souvent cette couleur-là qui revient. Alors, il y a de l'argenté aussi, hein, de temps en temps. Mais je suis plutôt couleur chaude, je pense. Donc l'argenté se met plutôt avec les couleurs froides. Donc on va dire le doré. C'est plus logique. Hop.
pas habituée de colorier comme ça. D'habitude, je déplace. Mais alors, si je déplace tout le temps, ça va tomber. Je sais pas ce que ça va faire avec le gesso dessous, hein. Ensuite, quelle marque d'aiguisoir utilisez-vous? Alors, j'utilise principalement le dalle 133 que j'ai depuis maintenant, ça va faire bientôt 2 ans. Il marche super bien. Et de temps en temps, j'utilise le Tigal. Voilà. Lui, il est fatigué. Donc, il faudra que je m'en achète un autre. Mais pour l'instant, le Tigal fait bien son office. Donc, je vais le laisser comme ça pour le moment. Et ça me va très bien. Ensuite, que préférez-vous utiliser pour faire des effets blancs dans vos colos? Posca, stylo gel, peinture, acrylique, gouache. Alors, j'aime beaucoup effectivement le Posca. Les stylos gel blancs, moi j'ai encore du mal à trouver des stylos gel qui font que j'arrive à faire ce que je veux avec. Parce qu'un coup ça coule, l'encre coule, un coup l'encre ne coule plus. C'est pas uniforme, j'ai la trace de la bille, alors c'est pas ce que je veux, donc bon, c'est un peu ça m'agace un peu. Je sais pas où je suis partie avec le nez là, mais bon, ouais, donc ça m'agace un peu et je reviens au Posca pointe fine ou Artistro. Les Artistro sont très bien aussi. Sinon, pour l'effet blanc, j'utilise ça. Je vous l'ai déjà présenté. Donc, c'est un crayon qui est très gras, normalement, qui est permanent et qui permet d'écrire sur des surfaces lisses. Et ça, mon Dieu, waouh, ça, c'est terrible. J'en ai un dans chacun de mes trousses. Chacune de mes trousses et ils sont top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment top, top, top. Sont pas donnés, mais c'est vrai que, comme disent nos amis québécois, ça fait la job. Ça fait la job tout à fait. C'est vraiment très agréable. Le seul défaut, c'est que comme c'est quelque chose de permanent, eh bien, des fois, ça. On ne peut rien rajouter dessus. On ne peut pas réécrire dessus. Alors, il faut tester avant. Il y a des choses qui passent, des choses qui ne passent pas. À tester. Ensuite, matériel. Combien de gammes de crayons différentes possédez-vous? Oula. Oulala. Alors, j'ai les polychromos. Les Prisma. Holbein, j'ai un peu de luminance, j'ai des muséums, j'ai Garwick Intense, j'ai un peu d'Albrecht Dürer. Voilà, c'est pas mal déjà. Hein. Question 7. Que préférez-vous pour faire les fonds? Pastel sec, pan pastel ou pastel à l'huile? Alors, pour l'instant, je ne sais faire qu'avec les pastels secs. Pastel à l'huile, j'en ai utilisé, mais pas suffisamment pour dire que je préfère par rapport aux pastels secs. Les pastels secs, c'est que c'est simple. C'est très simple. Donc,
On n'a pas vraiment de questions à se poser. C'est très simple. Mais, alors, pastel à l'huile, j'en ai utilisé, mais pas pour les fonds. Donc, faudrait que j'essaye ça de façon plus approfondie, on va dire. Et je trouve que les pastels à l'huile, c'est fait sur pour des grandes surfaces. Je trouve que des petites surfaces, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Sur les, alors je sais pas ce que je dis parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Les petites surfaces, c'est pas forcément simple. Moi, je trouve que c'est pas forcément simple. Mais c'est parce que je suis pas assez. Je ne connais pas suffisamment ce matériel, on va dire. Bon, qu'est-ce que ça donne là? Luminance sur le gesso là. Je vais vous faire une vidéo spéciale gesso. Je teste avec vous hein, en même temps. Reste des traces. Hein. Question 8. Y a-t-il des crayons dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser? Eh bien, je dirais bien les luminances, parce que bon, c'est des crayons qui sont très très sympathiques, mais qui réagissent pas forcément pareil, d'une façon en fonction du papier. Vous verrez, les autres c'est pareil aussi, mais ouais, là je sais pas si je vais arriver à retravailler ça. Il faut aussi ma demoiselle va avoir la peau plus foncée que ce que je pensais. Puis ça laisse des traces. Hein. Bon, ça, je verrai ça après. Il fond un peu le truc là, mais. Le papier est-il important pour vous? Si oui, lequel préférez-vous utiliser? Alors, le papier, évidemment, le papier, ça paraît logique que ça soit très important. Alors, moi, j'ai des éditions Gibb Smith que j'aime bien. Des éditions Muse et j'en ai qu'un je crois livre en édition Muse et puis pour les PDF c'est le papier Painton, le papier Painton de chez Canson qui est mon préféré. On peut mettre tous les médias dessus. Il est très polyvalent. Moi, j'ai le. Attends, je vais vous montrer. Celui-ci. 250 grammes, il passe dans mon imprimante et il est top. Franchement, j'imprime qu'avec ça. Je ne me prends plus la tête avec autre chose. Puisque je sais que ce papier-là me convient. Il passe dans mon imprimante. Impeccable. C'est ce que je demande. Je vais incliner ça sans vous faire tomber, si possible. Oh, ben non. Simple. Ensuite, question 10. Quels sont vos marqueurs de peinture favoris à part les Posca? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, à part les Posca, ouais, j'ai les Artistro. Les marqueurs action, je trouve que ils sont les paint markers là. Les mines sont trop grosses. Pour moi, ça va pas.
c'est trop gros. Donc je reste sur les Posca et puis les Artistro. Voilà. Par ça, moi, ça me va très très bien. J'ai pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Parce que je fais pas grand-chose avec, en fait. Si ce n'est cacher quelques lignes de temps en temps. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise à chaque fois, on va dire. Parce que j'aime bien voir les lignes quand même. C'est agréable. Bon, là, je les ai cachées parce que je voulais tester le gesso. Et puis, je voulais enlever ça, là. Elle est bien gentille, Anna, mais moi, ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu, ça me saoule un peu. On va y aller doucement. On va faire ça gentiment, là. Pas à quoi va ressembler son nez, mais pas forcément à ce que j'aurais voulu. Pas grave, on va essayer d'arranger ça. Ensuite, connaissance, les polychromos sont à base d'huile ou de cire? Les polychromos sont à base de d'huile. Ouais, ils sont à base d'huile. La cire, c'est beaucoup plus tendre. Donc, ce sont les prismas, par exemple. Je pense que les Holbein aussi doivent être à l'huile. Je me souviens plus. Mais les polychromos sont à base d'huile. C'est pratiquement, c'est sûr. Ensuite, question 11, c'est fait. Question 12, en combien de crayons se compose la gamme complète des polychromos? Ça doit être 120. Ça doit être 120 crayons. Est-ce que je les ai tous? Donc ça doit être 120. Une gamme qui est magnifique d'ailleurs. Alors ça va me laisser des traces partout. Que j'aime pas ça. Bon. On va essayer de faire ça autrement. Il y en a qui aiment colorier tout le temps là sur le gesso. Bah. Ouais, ok. Ok. Je crois que ça va pas être mon cas. Alors pas partout, alors à ce moment-là. Allez, question 13. Quel est le produit Faber-Castell que vous préférez? Oh bah c'est les polychromos, puisque j'ai pas de feutre pite. J'ai pas de. Si, j'ai les pastels en demi-bâton. Suis en train de réfléchir à ce que j'ai d'autre. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'aurais d'autre de chez Faber-Castell? Que c'est tout. J'ai que ça de Faber-Castell? Ça se peut. Ça se peut, ça se peut. Alors, question 14. Où peut-on acheter leurs produits? Faber-Castell, où est-ce qu'on peut les acheter? On peut les acheter dans les magasins d'art,
genre géant des beaux-arts, d'Albe. On peut en acheter aussi à Cultura. On peut en trouver parfois en papeterie. Cultura, des fois dans le Leclerc, dans les Leclerc aussi. Ouais, chez Dalle. Et puis on peut les trouver au Géant des Beaux-Arts, oui, tout ça sur Internet, bien sûr. Moi, mes polychromos, je suis en train de réfléchir. Mes polychromos, je les ai achetés à l'unité parce que j'ai un magasin d'Albe à côté de chez moi. J'ai pas fait le coup là. Et du coup, je les ai achetés comme ça. Mais je sais que sur Amazon, tout ça, ils y sont aussi. Après, faut vérifier les prix. Comme d'habitude, c'est la bourse Amazon, donc. Mais c'est des crayons qui se trouvent assez facilement. Offre-t-il d'autres produits que des crayons de couleur? Alors, Faber-Castell, ils font aussi des feutres, les fameux feutres Pitt. Ensuite, il y a tout ce qui est pastel. Alors, les pastels Pitt aussi, je crois qu'ils portent le même nom, c'est un peu bizarre, mais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pastels secs en bâtonnets. Je suis pratiquement sûre qu'il doit faire les pastels à l'huile aussi. Je sais qu'ils font des gammes de crayons là, qui sont noirs, là, les Black, je sais pas quoi, Black Edition. Ils font aussi tout ce qui est crayon de papier, fusain. Et puis je suppose qu'il doit y avoir encore d'autres choses dans les que je connais pas dans la marque Faber-Castell. Est-ce qu'ils font de la peinture? Oh, ils doivent bien faire de la peinture, de la gouache, pas enfin, de la gouache, de l'aquarelle. Je ne sais pas, tiens. Je me suis jamais posé la question. Je ne sais pas. Dites-moi si vous savez, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous savez s'il y a de la peinture, de l'aquarelle? C'est vrai, ça, j'ai jamais pensé. Qu'est-ce que je vais prendre là? Où est-ce qu'il est mon blanc rosé? Prime vert. Il est là, mon blanc rosé. Ensuite, Delia. Ah. Si tu devais te réincarner en un plat ou un aliment, lequel serait-il? Un plat ou un aliment? Loulou, qu'est-ce que c'est cette question? Alors, un plat ou un aliment? Je ne sais pas, je dirais là comme ça, je pense à la paella parce que mais je suis comme je suis gourmande et que j'aime tout. C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question, sachant que je l'avais déjà regardé cette question et je m'étais dit, je sais pas à quoi répondre. Eh ben, je sais toujours pas à quoi répondre. La paella parce que
En ce moment, j'en fais régulièrement à la maison. Je la fais moi-même. Et que j'aime ça. Un plat un peu exotique. Là, je vais faire un couscous. Maison aussi, mais je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Du coup, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'aime ça, parce que je suis gourmande, parce que ça fait voyager alors qu'on est dans sa cuisine. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on va dire la paella. Non, des tomates. Les tomates, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment le fruit de l'été. Après, question 17. Si tu devais incarner le rôle d'un vilain Disney, lequel serais-tu? Lequel serais-tu? J'en sais rien, moi. Je suis pas trop vilain. Je dirais. Je sais même pas comment il s'appelle. C'est pas Jafar. Le méchant dans Aladdin. Ouais, je dirais le méchant dans Aladdin, mais je sais même pas comment il s'appelle. Et je vois sa tête. Je sais même pas si j'ai pas un dessin de lui là. Je le rajouterai après. Je cache la misère là. Question 18. Vous préférez garder votre gamme de crayons préférés et votre livre préféré ou votre collection de livres complète et tous vos crayons? Bah, ma collection de livres complète et tous mes crayons, je les ai pas achetés pour rien. Faut que ça, vu le prix que ça coûte, faut que ça serve. Alors c'est sûr que si j'allais sur une île déserte ou je sais pas quoi, c'est sûr que j'emmènerais ma gamme de crayons préférés avec au moins deux livres que j'aime bien. Parce que sinon, je m'ennuierais. Et comme là, ça me permet de décompresser, ça pourrait être pas mal. Après, quel crayon j'emmènerais? Et ben je crois que j'emmènerais, c'est ce que je me dis après avoir testé pas mal de gammes, et ben la gamme sur laquelle je reviens et qui pour moi est toujours très très bien, c'est les Prismas. J'ai testé les Holbein, les Black Widow. Alors les Holbein, je les aime beaucoup, hein. Franchement très très bien, mais il y a sur certains papiers ben, ça marche pas. Et c'est un peu dommage, je sais pas pourquoi. Il y a certains papiers, c'est pas leur truc. Il en faut pour tout le monde. Mais ouais, je prendrai les Prismas et je prendrai quel livre? C'est moche ce que j'ai fait là. C'est vraiment moche. Je sais pas comment je vais avoir ça. Et le livre, truc pour m'occuper, je sais rien, moi, peut-être celui-là, parce que c'est celui-là que j'avance le plus. Ouais. Question 19. Dis-moi une odeur qui te rend automatiquement heureux. Un plat, un endroit, un objet. Je dirais l'odeur de la lavande. D'ailleurs, faut que j'aille couper la mienne, hein. Ouais, la lavande. C'est quand même terrible la lavande. Qu'est-ce qui sent meilleur que la lavande? Eh ben, je ne sais pas. Déjà, c'est un calmant. Pour moi, ça me fait penser aussi à.
aux vacances lorsque on est monté sur le plateau de Valensole. Si vous n'avez jamais vu, allez voir ce plateau avec ses lavandes à perte de vue. Ouais. Puis la lavande, je récolte la mienne, je la mets en sachet. Je peux même en vendre des sachets pour mettre dans les armoires contre les mythes. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Hein. Elle n'est pas traitée ni rien du tout. Hein. Alors je ne peux pas dire qu'elle soit bio. Le plan n'était pas bio au départ, mais alors c'est du lavande. Hein. Je crois que c'est pas de la lavande. Mais ouais. La lavande sans hésiter. Question 20. Si tu ferais. Bon, enfin, si tu faisais partie d'un groupe de musique, quel genre serait-il? Rock, classique, pop, country, blues. Je dirais pop. Pop. J'aime bien les trucs qui bougent sans que ce soit rock. Rock, je peux pas en écouter très longtemps. Ça me saoule. Ça me fatigue, ça me saoule, ça me. Alors après, ça dépend quel rock. Hein. Quand je dis rock. Oh là, ça fait faire des yeux bizarres mon histoire là. Rock, je pense à du rock. Si c'est du rock comme U2, ça va. Si c'est du rock comme AC/DC, ça ira moins bien. Ouais, je suis plutôt pop. Moi, j'écoute plutôt du. Bon, j'écoute la radio, et pas tout le temps. Je suis plutôt Maroon 5. Là, j'ai perdu les noms. J'aime bien Muse aussi. Comment il s'appelle? The Weeknd. J'adore ce que The Weeknd y fait. Il est incroyable ce mec. Voilà. Enfin, j'aime bien pas mal de choses en pop. J'écoute un peu tout. Sais pas ce que je suis au niveau des yeux, hein. Ça fait franchement bizarre là. Je vais refoncer ça là parce que ça va pas du tout. Voilà. J'ai voulu faire un truc, mais c'est pas ça. C'est pas ça du savez, des fois, quand on veut arranger les choses et qu'au fur et à mesure, et ben. C'est le contraire qui se passe. Ben, c'est un peu ça, puis le noir, il n'est pas vraiment noir. Ensuite. Bon, ben voilà. J'espère que vous avez aimé. Ce petit quiz, moi j'ai bien aimé le regarder, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée, parce que le temps que la vidéo soit là, ça va être la rentrée pour tout le monde.
Bon courage à tous et puis je vous dis à bientôt. Salut!